Nous aidons toutes les personnes atteintes de handicap visuel de la naissance, on va dire de 0 à 99 ans, pour tout ce qui concerne l'autonomie et le bien-être. Dans l'ASB de la Lumière, nous avons plusieurs services, dont un service d'intégration scolaire qui permet à des enfants aveugles et malvoyants de suivre une scolarité tout à fait traditionnelle, donc au même titre que tous les autres enfants. Ce service ne reçoit aucun subside. Donc quand on a eu connaissance de cette action de l'APCAP 48, on s'est dit là, il faut qu'on fonce, c'est pour nous, et on a eu bien raison de le faire. J'avais pas envie d'être à une école spécialisée. J'avais envie de voir les autres. Je n'avais pas envie d'aller dans une école spécialisée. J'avais envie d'être avec tout le monde. Voilà, je crois que je me débrouille bien dans cette école. Oui, j'en suis sûre même. Et donc, ça va. Tout se passe très bien. À l'ASB de la Lumière, nous partons du principe que si l'enfant a uniquement le handicap visuel, grâce à notre aide, il peut suivre un enseignement traditionnel. Wir entwickeln Lehrlinge in mein Klasse. Elle m'explique un peu le graphique, ce que c'est, et me montre un peu les données et tout ce qu'il y a sur le graphique, et après je comprends mieux. Donc pour récolter des dons, nous avons principalement activé notre page Facebook. Nous avons mis aussi le crowdfunding sur notre site internet, et l'ensemble des membres du personnel s'est mobilisé aussi pour activer son réseau privé et professionnel par mail. Le fait que ce soit porté par CAP 48 et la CBC a augmenté la visibilité de cette action, et c'est vrai que ça rassurait les gens de savoir qu'il y avait ces deux partenaires.